Each movie I did was a different makeup effects person, so they did their own design. People ask me, why does the makeup change so much from movie to movie and the hockey mask changes and everything else? You know, basically it's because it's a different makeup effects person who designs it, and they don't necessarily stay true to the previous movie. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur l'après-ciné. La chaîne du passionné. 1988. Vendredi 13. Chapitre numéro 7. Pour la première fois à l'écran, Ken Hodder, cascadeur émérite professionnel, incarné donc le Jason Voorhees, le tueur au masque de hockey. Je vous propose dans cette vidéo, dans ce film, certaines cascades périlleuses, dont une tout particulièrement qui a failli lui coûter la vie. Et je vous laisse deviner laquelle, puisque aujourd'hui encore, il garde à vie ce qui lui est arrivé. Donc, pour moi, à ce jour, Ken est l'incarnation de Jason. Non seulement au niveau de son charisme, de sa présence à l'écran, mais surtout de ses énormes prises de risque. À ce jour, donc, comme je disais, personne n'égale ou n'égalera Ken Hodder. Maintenant, pour un éventuel retour à l'écran, vu son âge, je crois que c'est 67 ans, ou 68, 67 ans, oui, je crois. Un hypothétique retour à l'écran me paraît tout simplement impossible pour lui. C'est une personne qui est considérée âgée. Et pour le métier de cascadeur, c'est très âgé. Donc, chapitre 7, je vous ai donc concocté ces cascades. C'est issu du coffret collector en Blu-ray, voilà, où il y a les 8 films avec des bonus. Bon, ça, je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Je parlerai du coffret en lui-même. D'ailleurs, concernant la remasterisation des films, vraiment, ça a été fait du bon travail, même du très bon travail, non seulement au point de vue image, mais sonore. Puisqu'il ne faut pas oublier
selon les années des films à l'époque. Donc c'était le son en mono, c'était pas en stéréo. Donc moi j'ai que le son au niveau de ma télé, et donc j'ai pas un son en Dolby stéréo, juste en stéréo standard, et le son est bon. Eh bien, sans plus attendre, chers amis, alors, comme d'habitude, hein, regardez, partagez mes autres vidéos, hein, surtout, laissez-moi vos commentaires. Avez-vous deviné quelle est la cascade qui, non seulement, ben, l'a gravement blessé, mais a failli lui coûter la vie? Vraiment, je vous attends, hein, que l'on puisse discuter, eh bien, de Ken. Et du film, hein, si vous l'avez vu. Et maintenant, eh bien, que le spectacle commence. Jason.